Petite question. C'est quoi le jeûne biblique? Pour certains, c'est une façon de dominer la chair, prendre le contrôle sur sa vie nature. Pour d'autres, c'est une façon d'avoir des expériences, des rêves et des visions. Pour d'autres, c'est d'avoir l'attention de Dieu pour qu'il réponde à nos prières. Mais c'est quoi, bibliquement parlant? Je vous encourage, prenez une concordance, recherchez le mot jeûne et aussi des histoires où peut-être pas le mot utilisé, mais c'est clair que c'est un jeûne qui se passe. Et vous allez découvrir qu'en grande partie, c'est rattaché au péché. On voit dans le livre des Juges et à travers l'histoire d'Israël, lorsqu'ils ont péché et qu'ils veulent se repentir et jeûnent. Ils arrêtent tout et ils cherchent à faire de Dieu de façon-là. Un autre moment aussi, comme on voit avec le roi Josaphat, devant une armée de 2 millions qui s'élève contre lui, c'est de chercher la face de Dieu. Il arrête tout et dit, on doit chercher sa face pour son secours. C'est dépendre de lui donc. Paul fait la même chose. On voit dans le Nouveau Testament que Paul parle de le fardeau qu'il y a pour les églises qui a établi et comment que ça l'amène à beaucoup jeûner et même passer des veilles de prière. Et il y a besoin que Dieu agisse et rien qui compte. C'est pour ça que jeûner, ce n'est pas juste s'abstenir de manger. Ah, j'ai pas mangé pendant cette semaine, j'ai jeûné. Non. Le jeûne est toujours attaché à la prière. L'idée de chercher la face de Dieu. C'est-à-dire, je ne peux pas faire rien d'autre que de chercher sa face. Et que ce soit à cause que j'ai profondément un combat avec le péché, ou parce que j'ai besoin qu'il agisse dans ma vie. Je m'attends à lui. C'est ça le jeûne biblique. Mais comme je dis, je vous encourage, allez pour vous-même faire vos recherches, voir dans la parole de Dieu et non pas les paroles des hommes. Laissons Dieu nous enseigner sur qu'est-ce que le jeûne biblique, chers frères et sœurs.